Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission en direct. Nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble aujourd'hui. Et c'est l'histoire exceptionnelle de trois enfants que nous allons vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'Adriano, de Lily et de Lee, trois enfants transgenres. Tous les trois sont nés dans le mauvais corps, un petit garçon dans un corps de fille ou inversement. Pendant des années, ils n'ont pas réussi à identifier d'où venait leur souffrance et leurs parents se sont sentis impuissants face à la détresse de leur si jeune enfant. Un enfant peut-il réellement avoir conscience de cette transidentité? Le risque n'est-il pas que tout change à l'âge adulte? Comment réussir à l'accompagner au mieux dans cette transition? Florian Ferreri, qui est psychiatre, et Marc Gégère, qui est avocat pénaliste, répondront à toutes ces questions, à toutes vos questions. Ce sont des récits rares que nous allons écouter tous ensemble aujourd'hui, des récits portés par trois enfants passionnants et très courageux. Vous allez le voir, faites-nous confiance. Bienvenue parmi nous. Et bonjour à tous. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Il y a un peu de stress sur ce plateau, il y a des enfants. Des enfants, je me suis dit que vous alliez m'en vouloir que je prononce le mot enfant puisque vous avez tous les deux 14 ans, c'est ça? Ouais. 14 ans, on va dire vous êtes des grands enfants, mais par rapport à nous, vous êtes quand même des enfants. Et des grands enfants par rapport à Lily aussi. Bonjour Lily. Bonjour. Tu es la plus jeune sur le plateau. Je suis très contente de t'avoir sur ce plateau. Tu vas nous raconter ton histoire dans un instant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions qui se posent pour nos spécialistes, pour nos invités, si vous avez juste envie de les encourager ou de partager avec nous, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est CCA, on vous attend sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Évidemment, cette émission est en direct, vous l'avez compris. Adriano, est-ce que je peux dire que c'est toi qui as embarqué tout le monde aujourd'hui sur ce plateau? Ouais. Donc quand je dis tout le monde, c'est ta maman Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Louane, ta sœur qui est derrière. Bonjour, donc Louane est un peu stressée derrière et un petit peu impressionnée. Pourquoi c'était si important aujourd'hui de venir en famille? Et quel message t'as envie de faire passer aujourd'hui, Adriano? Je voulais témoigner de mon histoire parce que je pense que c'était important, parce que c'est souvent à mon âge qu'on se rend compte que des fois les choses ne vont pas et qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps. Puis je voulais faire passer aux parents d'enfants transgenres qu'on n'est pas en deuil, ils n'ont pas à être en deuil parce qu'on est... On est toujours là, on se redécouvre en fait, et on vit, on n'est pas en train de mourir. On peut dire que c'est une renaissance que tu vis, toi, depuis oui, un an? Oui. C'est drôle parce que je vois le regard tellement fier de ta maman et déjà très ému. C'est fou que dès le début de l'émission, tu nous parles de deuil. Je peux te tutoyer, Adrien? Oui, oui. Tu nous parles de deuil parce qu'en effet, il y a un terme que ceux à la maison ne connaissent pas forcément, c'est le dead name. J'ai appris ça en faisant des émissions sur la transidentité. C'est le prénom que tu portais avant, quand tu oui. n'étais pas avec l'identité aujourd'hui que tu as. Et c'est un prénom, vous avez tous insisté pour qu'on ne le donne pas, chose évidemment que je ne ferai pas. Mais pourquoi, justement, c'est important de ne pu parler de ce prénom d'avant? C'est important parce que ça représente une personne que l'on n'est pas, à laquelle on nous identifie alors qu'on n'est pas cette personne. En l'occurrence, moi, on identifiait ce prénom à une fille, sauf que je n'étais pas une fille. Donc, je préfère qu'on oublie cette personne que je ne suis pas. Et puis parce que ça n'a aucune importance de toute façon. Une grande maturité, hein, je vois, qui se dégage déjà de tes propos. J'ai vraiment hâte que tu me racontes ton histoire. Ça fait un an donc que tu es en transition. Oui. Comment tu te sens déjà? Très bien. Très bien. C'est juste cette réponse-là que veulent entendre les parents. Tout à fait. Hein. Très bien, ce grand sourire. De mieux en mieux, tu dirais? Oui, oui, de mieux en mieux. On a fini de, entre guillemets, de couler parce que une fois qu'on en parle, ça va tout de suite mieux. Les choses avancent. Ça y est, ça commence. On transitionne, quoi. Vous transitionne. Vous le voyez, vous, on va dire, se révéler, revenir à la vie, justement. Il nous disait, c'est une renaissance. Vous voyez votre fils s'ouvrir, s'épanouir, oui. retrouver le sourire? Oui. Oui, oui, c'est ce qui me permet justement de... Il y a quelque temps encore, j'étais dans ce deuil. Il y a peu de temps. Et de le voir s'ouvrir à la vie, cette renaissance, ça me permet justement de... D'apaiser le deuil. Il y a plus... Non, de me rendre compte qu'il n'y a pas de deuil à faire. C'est très bien, vous avez eu raison de me reprendre. Il n'y a pas de deuil, il y a votre pas enfant de deuil est le à même, faire. En fait. C'est le même enfant qui continue, qui renaît, qui... Voilà, toutes les difficultés passées, quand on voit son enfant heureux... Bah... Je suis très émue parce que, en fait, ça se voit qu'il est heureux, Adriano. C'est vrai, hein? Ce sourire, t'as un sourire déjà magnifique, mais un sourire Merci. Contagieux, c'est-à-dire que tu es irradié, en fait. Donc déjà, c'est un message en soi, ce que tu nous renvoies. Je voudrais quand même qu'on remonte un petit peu le fil de votre histoire, donc en famille. À quel moment, vous, Émilie, vous avez senti, ou peut-être qu'il vous l'a expliqué, verbalisé, qu'il avait quelque chose de différent, votre petit garçon?
Alors, qui à l'époque était une petite fille, mais pour qu'on soit bien clair. Déjà, la grossesse était très compliquée. C'était une grossesse suivie de très près, tous les mois, avec une échographie en 3D. Le risque de malformation était assez élevé. Important. Et dès qu'Adriano est né à la naissance, mon instinct de maman me disait quelque chose serait différent par rapport à son frère et à sa sœur. Ça serait un enfant différent, mais je n'avais pas du tout la réponse. Donc, c'était une intuition. Une intuition. Un ressenti. Tout à fait, un ressenti. À 3 mois, il avait 3 mois quand on a découvert qu'il y avait une malformation à son œil avec une cataracte congénitale. Mmh. Et bon, il y a eu une période où on était un peu dans le flou. Est-ce que ça toucherait les deux yeux? Est-ce que ça serait un enfant aveugle? Bien sûr. Et puis, la vie a bien tourné, il n'y a eu qu'un œil d'atteint, chose qui est plutôt rare dans son cas. Et puis moi, j'ai continué à avoir ce pressentiment qu'il y avait encore quelque chose de différent chez mon enfant. Quel genre d'enfant il est devenu ? Alors, tout petit, c'était un enfant casse-cou. Ouais. Du coup, à l'époque, on disait « quel garçon manqué ?» qui refusait, dès qu'il a été en âge d'exprimer, les robes, les jouets de filles, jamais. J'ai plusieurs fois la famille qui m'a demandé, mais t'as pas une autre liste pour Noël? C'est que des jouets de garçons, etc. Donc, et comme ça peut l'être pour de nombreux enfants, hein, ça ne veut pas forcément dire. Mais il y avait aussi un comportement. Ouais, il y avait tout. Tout. Mais effectivement, j'y ai pas prêté plus d'attention non plus. Hein. Ce qu'on appelle un garçon manqué communément. Bien sûr. Il y en a plein sans pour autant parler de transidentité. Donc, c'est drôle le regard que tu poses sur la photo, Adriano, parce que ça t'amuse de voir ces photos? Oui, bah oui. Parce que c'est pas toi ou c'est toi avant? C'est une image qu'on avait de moi que je découvre parce que c'est vrai que maintenant je ne serais pas du tout comme ça. Je ne serais pas habillée avec du rose, avec les cheveux longs. Mais ouais, ça t'amuse en fait. Ouais. T'en souris aujourd'hui que tu as. Maintenant que tu es dans les bonnes baskets, tu arrives à en sourire avec ce recul. C'est ça. Louane, vous avez des souvenirs, vous, de votre frère en sœur qui laissait comprendre que voilà, ce genre-là ne lui plaisait pas. Oui. Enfin, ne lui convenait pas en tout cas. Oui, tout petit, il disait des choses quand il avait 2-3 ans. Il disait des choses comme « Oui, papa et maman, ils m'ont changé le sexe. Avant, j'étais un garçon. » Des choses comme ça. Ou alors, il essayait de faire pipi debout, comme les garçons. Après, voilà, il voulait jamais mettre de robe. Jamais. Il jouait beaucoup, beaucoup plus avec mon frère qu'avec moi. Ah oui. Mais à quel âge, pardon, et je rebondis, mais à quel âge il y a une crise identitaire naturelle chez un enfant? Naturelle, c'est plutôt l'adolescence et la puberté. Ah d'accord. C'est là où on se rend compte un petit peu, on comprend, enfin, le corps change et on comprend à percevoir ces modifications-là. Mais l'interrogation, elle peut être beaucoup plus précoce et ça ne m'étonne pas que vous l'ayez ressenti beaucoup plus tôt, enfin, que tu l'aies ressenti beaucoup plus tôt. 4-5 ans, c'est décrit. Hein. Qu'on peut avoir cette idée qu'on n'est pas dans la bonne enveloppe corporelle. C'est ça? C'est vraiment ce terme-là? Tu te sentais piégée dans un corps qui n'était pas le tien? Oui. Totalement, j'étais mal, je m'imaginais plus petit me dire qu'un jour je me déguiserais en fille. Je savais que j'étais pas une fille, j'étais bloquée en fait, j'étais complètement bloquée dans ce corps et je savais pas, je comprenais pas exactement ce qui se passait, il y avait une espèce de confusion dans mon cerveau qui se disait « mais je suis un garçon, pourquoi est-ce qu'on m'identifie à une fille ?» T'en souffrais, Adriano ? Ouais, beaucoup. Parce que là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est quelque chose d'assez confus, finalement. Ouais. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas bien aligné. Oui. Et est-ce que tu arrivais à le formuler à l'époque auprès de ta maman, auprès des proches, en disant il y a un truc qui ne va pas? Ou juste, en effet, il y avait cette attitude, entre guillemets, un peu de garçon manqué, mais qu'on peut retrouver chez beaucoup d'enfants. Est-ce que tu arrivais à le formuler? Non, je ne le formulais pas. Je ne leur en parlais pas, comment j'allais mal, ça se voyait. Mais on pouvait l'identifier à une crise d'adolescence, en fait. Je pense que c'est comme ça que réagissent les parents quand... L'enfant, il fait une crise identitaire à la puberté. Il a des comportements. Bah, des fois, il va se renfermer dans sa chambre. Il va être impulsif, susceptible. Et j'avais ces comportements-là. Ah, et on peut les identifier à une crise d'ado. Tu avais des symptômes, des symptômes qui prouvaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Il y avait une colère. Tu étais en colère? Très en colère. Contre qui? Comment ça se manifestait?
Contre un peu tout, contre moi, contre mes parents. Il n'y avait pas de raison, en fait. J'étais énervée contre tout le monde. J'étais énervée contre la terre entière d'être moi, en fait, finalement, parce que j'étais bloquée dans ce corps. Et en plus, je pense que j'en voulais aux gens de ne pas remarquer, de pas m'aider, de voir que j'allais mal. Tu t'es attaquée déjà, toi-même ? Oui. J'ai fait de l'automutilation et j'ai fait une tentative de suicide. Comment vous, ses parents, Émilie et le père d'Adriano, comment vous gériez cette colère ? Comment vous l'analysiez ? Qu'est-ce que vous en faisiez ? Ce que vous pouviez déjà. Hein, c'est... Oui, comme il a si bien dit, au départ, on pense à une crise d'adolescence compliquée. Et puis, il y avait quand même cette partie en nous où on voyait une différence, toujours, qui était toujours présente. Donc, on a mis ça au départ, il y a maintenant presque 2 ans, sur de l'homosexualité. Mm-hmm. Pour vous, c'était ça, peut-être, le malaise Voilà, je me suis dit, qu'il cherchait. Peut-être que c'est de l'homosexualité. Et donc, on a fait... j'ai réussi à faire dire à Adriano que c'était, enfin, qu'il aimait les filles, donc il me l'a avoué, et donc on a évolué quelques mois avec ça, avec c'est de l'homosexualité. Mais malgré cette annonce, j'avais encore en moi quelque chose qui me disait je vais découvrir autre chose. Ah, l'intuition des mamans, hein. J'y ai encore quelque chose, je n'ai pas tout découvert. À ce stade, avant qu'on parle de cette puberté un peu redoutée, est-ce que, et l'un et l'autre, vous aviez entendu parler de transidentité ? Absolument pas. Ni l'un ni l'autre ? Avant la puberté, c'est ça ? Non, mais oui, à l'époque. Avant de la puberté, est-ce que vous en aviez entendu parler ? Oui, vaguement. Mais sans jamais faire le lien ? Ah, ça commençait. Voilà, ça mûrissait. Ça faisait quelques années que ça mûrissait en moi, que je me posais des questions, mais comme j'arrivais pas à ça ressortait pas. C'était enfui en moi, je le savais. Il fallait peut-être le temps de se l'avouer. Hein. Mais il me fallait du temps pour que ça mûrisse et que ça surgisse. C'est très important de faire cette émission, puisque... c'est adorable. C'est très important de faire cette émission parce qu'on va voir à quel point, un jour, tout d'un coup, soit vous êtes prêt à vous l'avouer, soit il y a un révélateur, un accélérateur qui vous met dans les yeux la vérité. Peut-être que cette émission va être cet accélérateur pour des familles, pour qui ça va être un soulagement extrême, parce que ça a été votre cas. Tout d'un coup, c'est oh, je sais de quoi mon fils ou ma fille souffre. J'espère de tout mon cœur, et c'est pour ça qu'on a décidé de la faire aujourd'hui, cette émission. Comment ça s'est passé, cette puberté pour toi, Adriano, tes changements corporels hein, dus à l'adolescence? Très mal, parce que c'est là où on va nous identifier à fille ou garçon par rapport à nos attributs sexuels. Moi, en l'occurrence, j'avais la poitrine qui poussait. Et j'ai eu les menstruations, donc c'est assez... on s'en prend un coup derrière la tête, hein, parce qu'on nous remet tous les mois face à quelque chose qu'on redoute en plus, tout le mois. Et puis, déjà que pour une fille cisgenre, ben, c'est pas forcément évident. Les règles, on a l'impression de se sentir regardée, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Et alors, quand on a absolument envie de le cacher pour pas que les gens savent tout simplement qu'on est une personne transgenre, eh ben c'est plutôt compliqué parce que ça nous remet face à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Et en permanence, de façon cyclique, tu dis un coup derrière la tête. Tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu aies fait une tentative de suicide. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est arrivé ? C'est après au moment où ma puberté a commencé à vraiment... évoluer, où vraiment les gens me faisaient la remarque des changements et que surtout mes menstruations ont commencé à être régulières, puisque avant je ne les avais pas régulières du tout et c'était assez espacé, que j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal, être de plus en plus en colère. De plus en plus fille, femme, en voilà, devenir. Et donc ça. De moins en moins bien par rapport au garçon que tu es. Voilà. À quel moment, alors, les choses se sont révélées à vous ? Donc, à quel moment vous avez écouté votre intuition, Émilie ? C'était il y a un petit peu plus d'un an, donc suite à sa tentative de suicide.
Ça a fait comme un électrochoc dans ma tête. Vous avez le souvenir même du moment précis où, ça, où vous avez compris tout ? Alors, un électrochoc sur quelques jours, c'est-à-dire que c'était là, toujours, là, c'était bien remonté et ça a grandi pendant les quelques jours qu'il a passé à l'hôpital. Pour quelle raison, pendant ces jours-là ? Parce que vous avez eu un pas de recul ? Parce que vous l'avez vu aussi fragile qu'il était et que vous avez compris des choses ? Oui, bah déjà, il y a eu la peur de le perdre qui a été énorme. Hein, il a été 72 heures sous surveillance avec des risques pour son foie assez importantes. Donc, il y a eu cette crainte de le perdre. Et du coup, pendant ces 72 heures, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions, je l'ai regardé à l'hôpital, je me suis demandé. Déjà, sur son lit d'hôpital, j'ai vu un garçon. J'ai vu je ne sais pas comment expliquer pourquoi, j'ai vu un garçon sur le lit d'hôpital. Je commençais à voir un garçon, moi qui avais toujours vu une fille. Et puis du coup, ça a été, une fois qu'on sait qu'il est sauvé, que tout va bien, qu'on prend les choses en main. On se dit, bon, je pense que je sais enfin ce qui... Comment ? Je sais enfin, je crois connaître son mal-être. Comment ? J'aime bien ce sourire, tu regardes ta maman avec beaucoup d'émotion. Ne serait-ce que quand elle dit, j'ai vu que c'était un garçon, ton visage s'est illuminé. T'as été compris, quoi. Ouais. Et à quel moment vous en avez parlé tous les deux, concrètement ? J'essaie de me souvenir, je crois que c'était peu de temps après le retour à la maison. La première fois où on en a parlé, c'était quand elle avait compris et que j'avais aussi compris qu'elle avait compris. Que je savais qu'elle savait qui j'étais réellement. Et ça s'est passé dans le bureau d'une psychologue où je lui ai dit « mais je suis pas bien dans mon corps ». Elle m'a dit « mais je crois savoir, tu as quoi, je sais ce que tu as ». Et j'ai pas formulé plus, mais on s'est compris. Elle savait et je savais qu'elle savait. C'est tout. Je savais que tu savais que tu savais que je savais. Et comme je savais, du coup, tout le monde savait. Ouais. Tout le monde savait. Est-ce qu'on met en place immédiatement, une fois qu'on se l'est dit, donc déjà, c'est un soulagement parce qu'on attend évidemment d'être compris par le regard le principal, les regards de ses parents. Une fois que tout le monde a accepté, comment on met en place les choses maintenant pour aligner, pour que tu sois en cohérence avec qui tu es ? Le prénom, c'est la première chose qu'on fait ? Oui. La première chose, les premières démarches que j'ai faites, c'est trouver une équipe... médicale. Oui, pour accompagner dans pour accompagner, transition. Voilà. Moi, j'avais besoin, une fois que j'avais enfin ma réponse, et je savais que je l'avais aussi, j'avais besoin d'aide pour accompagner bien Adriano. Sûr, bien j'avais sûr. Besoin de m'appuyer sur des gens et de connaître. Donc, mes premières démarches ont été de chercher des psychologues et des psychiatres, psychologues et une équipe médicale qui, sur laquelle je pouvais m'appuyer. Voilà, ça a été mes premières recherches. Et donc ce prénom, j'imagine, ça avait une symbolique forte pour toi, Adriano ? C'était un prénom que j'ai choisi par rapport à un comédien qui s'appelle Adrien de la Vega, mmh. qui est un peu connu dans la communauté transgenre. Et j'aimais beaucoup ce prénom parce que j'aimais bien les prénoms pas communs, atypiques et à consonance un peu... italienne, brésilienne, espagnole. Et puis je voulais un peu changer le prénom et puis j'ai trouvé Adriano et j'ai trouvé que c'était parfait. C'est toi qui l'as choisi ? Il y a eu une discussion de, comme tu as choisi le premier, c'est moi qui vais choisir le vrai prénom de qui je suis. Est-ce que vous avez hésité à vous dire, est-ce que je peux glisser une idée ? Il n'y a pas eu de discussion. Je lui ai demandé comment il souhaitait s'appeler. Il m'a dit qu'il souhaitait ce prénom. Et je me suis dit tout de suite, de toute façon, il n'a pas eu le choix de ce qui lui arrive. Donc, il aura au moins le choix de son prénom. Voilà. Ce n'est pas celui que j'aurais choisi. J'aime bien la merde. Bon, alors après, est-ce que j'aime c'est le prénom c'est une autre discussion. Non, c'est un très joli prénom. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, c'est le sien. C'est celui qu'il lui fallait. Tu m'as parlé, tu t'es inspiré de qui ? Adrien de la Vega. Adrien, vous le connaissez ? Non, je ne connais pas. Eh bien, je crois que c'est lui. Salut Adriano, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message pour te dire que
quand je vois des jeunes de ton âge faire leur transition, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Tu peux être vraiment fier de toi, de ce que tu as accompli. Je suis aussi très content que tu sois entouré d'une famille qui te soutienne. C'est vraiment très important. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, que tu puisses faire tous les projets que tu entreprends, ne te mets jamais de limites. Et si j'avais un petit conseil à te dire que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est oui, évidemment, quand on fait une transition, ça peut aller un peu trop lentement à notre goût, mais en tout cas, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je pense que tu le sais. À bientôt. Ouais, on est comme ça, nous. Merci. Je crois que ta maman est plus émue parce que maintenant, elle sait vraiment qui c'est. Alors, Adriano, donc ton nouveau prénom, une fois qu'on a pris cette décision-là, j'imagine que tu veux que ça soit sur ta pièce d'identité. Oui, et c'est ce qu'on a fait. Et, on a eu de la chance parce que c'est arrivé de manière naturelle et ça s'est fait très vite. Et c'est vraiment une chance et c'est pas facile aujourd'hui de changer les prénoms comme ça. Hein. Toi, tu l'as fait en combien de temps ça, En 2 jours. Moi, j'ai besoin d'avoir une explication. Marc. Oui. Est-ce que donc c'est possible aujourd'hui de changer son identité, en tout cas le prénom sur les pièces d'identité, en 2 jours, l'état civil en 2 jours? Il faut tomber sur un officier d'état civil à l'esprit particulièrement ouvert, parce qu'en fait la procédure se passe de la manière suivante. Avant, il fallait même saisir un juge pour changer de prénom, il fallait justifier d'un usage très, très important de ce prénom, etc. Aujourd'hui, on a simplifié les choses, l'officier d'état civil reçoit la demande de changement de prénom et ici considère qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt de celui qui la réclame, il peut immédiatement l'accepter. S'il ne l'accepte pas, il ne peut pas la refuser, mais il transmet le dossier au procureur de la République. Mmh. Le procureur de la République, à ce moment-là, lui, prend une décision. Soit il accepte le changement de prénom, soit il le refuse. Et s'il le refuse, en dernier recours, on se retrouve devant le juge aux affaires familiales. Donc ça peut traîner. Il y a le dernier mot. Ah, ça peut durer. D'ailleurs, une autre de nos invitées est encore dans l'attente de recevoir enfin l'officialisation Lily, hein, de son prénom. Alors, on se demandera justement si c'est le fait que Lily soit très jeune qui interroge. On en parlera de cette situation un peu plus tard. Donc, toi, heureusement, Adriano Émilie est tombée sur la bonne personne. Oui, puis je pense que quand on regarde Adriano, il n'y a pas photo, si je puis m'exprimer ainsi. Il resplendit de son identité de garçon. Il ne peut pas y avoir de doute dans l'esprit de ceux qui le croisent. Alors peut-être qu'effectivement, mais on en parlera tout à l'heure, pour Lily, son jeune âge a pu être source d'inquiétude de la part des officiers d'état civil. Parce qu'on se demande aussi si les choses peuvent changer plus tard. On en parlera avec Christelle et Lily tout à l'heure. Comment ça s'est passé à l'école quand on part un jour, bon, très mal, parce que tu étais quand même en fragilité et en détresse, je pense que tes camarades l'avaient noté, et puis on revient en disant « j'ai ma solution ». Est-ce que déjà les professeurs ont suivi ce changement? Est-ce que vous avez été bien accompagnés tous les deux à l'école? Oui, plutôt bien. Alors moi, j'étais quelqu'un de très sociable et je suis toujours quelqu'un de très sociable, toujours souriant, toujours le clown. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Et donc, ça s'est fait naturellement et j'avais envie de dire que les gens ne me voyaient pas vraiment comme une fille parce que, on va être dans les clichés, mais je me suis toujours comportée comme un garçon et j'ai toujours fait comme si j'étais un garçon. Donc pour eux, il n'y a pas, à part la transition sociale, donc ce qui est de genré au masculin, il n'y a pas eu de soucis, et puis de m'appeler Adriano aussi, il n'y a pas eu vraiment de soucis, après c'est le temps et tout le monde a bien accepté. Médicalement, alors c'est quoi les prochaines étapes? Comment tu en es où? Est-ce que tu as pu commencer des choses? Oui, alors là je prends une pilule pour l'arrêt des menstruations, ouais. Que j'ai dû changer parce que elle ne fonctionnait pas. Elle n'était pas adaptée à toi, enfin voilà. On m'a posé la question d'un prélèvement d'ovocytes ou pas pour savoir si au cas où un jour... Au cas où un jour j'aimerais avoir des enfants. Tu as dit oui? Non, j'ai dit non. D'accord. Parce que ça me faisait retarder sur le traitement de testostérone. Et je ne voulais pas prendre ce risque-là puisque c'est quelque chose... Faut prendre le temps. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère quand on prend un traitement. Mais je ne voulais pas le rallonger de 1 ou 2 ans parce que je ne voudrais pas retourner dans la passade où j'étais vraiment bloquée. Et du coup, j'ai refusé ça. Et puis la prochaine étape, c'est normalement le traitement. Et les hormones. Testostérone, oui. Comment a réagi votre famille? Comment on prévient l'entourage
Alors maintenant, il ne faut plus l'appeler Rinrin. Il est Rinrin et c'est un garçon. Il s'appelle Adriano et c'est mon fils et c'est comme ça. Alors la famille, on a un groupe par lequel on communique sur les réseaux sociaux. Oui, WhatsApp, quoi. Messenger. Ah, Messenger, voilà. Pardon, soyons précis. Et où on a toute la famille. Et j'ai envoyé un long message en expliquant pourquoi le mal-être d'Adriano suite à la tentative de suicide. Hein, et en expliquant que maintenant, il fallait... c'est par message. Et la famille a plutôt très bien réagi. Ouais. On a eu des messages de soutien. Il a reçu des messages de soutien de la famille. Voilà, maintenant, on ne peut pas dire que c'est simple tous les jours de genrer au masculin, de l'appeler par son nouveau prénom. Il y a encore des couacs, mais ça, c'est plutôt bien pris, c'est plutôt bien reçu. Ouais. Ouais. Quelle intelligence de cœur de la part aussi de cette famille qui a su s'adapter. Ils vous l'ont prouvé et ils continuent de le faire. Bon, Adriano, juste une petite vidéo pour te dire quelques mots, pour te dire que je t'aime, que je te soutiens complètement dans tes démarches. Ne t'occupe pas des gens qui représentent rien pour toi. Tu trouveras toujours des imbéciles qui viendront te critiquer, critiquer ta démarche. Laisse-les passer leur chemin et passe à autre chose. Occupe-toi vraiment de ce que ta famille et tes amis pensent et sache que nous, on t'aime et on te soutient vraiment. Nous te faisons ce petit message pour te montrer notre soutien. Nous savons que parfois tu passes par des moments difficiles, mais sache que nous sommes là et nous te soutenons. Nous t'aimons. Gros bisous. Gros bisous. Coucou Adriano, juste un petit message pour te dire qu'on t'aime comme tu es, qu'il faut pas que tu changes. Toute la famille t'aime, ne change pas pour les autres. Bisous, à plus. Coucou Adé, j'aimerais te faire cette vidéo pour t'apporter mon soutien, donc avec Lucas. On se connaît depuis tout petit, t'es une personne en or, même quand je vais mal dans des moments difficiles, t'es toujours là pour moi. Donc voilà, je te passe un soutien, bisous, on t'aime. Salut Doudou, c'est juste pour te dire que je suis très fière de toi et que j'espère encore pouvoir t'accompagner longtemps dans ta transition, dans ton parcours. Bisous, je t'aime. Dis-moi que c'est des belles larmes. Oui. T'es très aimée, Adriano, peu importe ton genre, en fait. Quelle intelligence de cœur. Je suis très, très touchée par votre histoire et aussi touchée par la détresse absolue dans laquelle toute cette famille était plongée il y a un an. Et cette renaissance, ces sourires, cette évidence, ça n'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est un des éléments fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect médical, hormonal, qui n'est pas finalement aussi difficile que ça à gérer. Le plus difficile, c'est apporter le soutien à Adriano, à la personne concernée, l'aider à s'affirmer de plus en plus, et faire comprendre à l'entourage et à la famille. Ça, c'est les enjeux fondamentaux. Et le dernier enjeu, c'est de se faire accepter à l'école et d'éviter le harcèlement scolaire ou autre, qui est une autre problématique. On en parlera avec lui. Mais une fois qu'on a ces balises-là, c'est pas facile tous les jours. Hein. Votre famille vous l'a dit, mais globalement, on est sur des très, très bonnes rails. Et en effet, tu irradies. Ouais. Vraiment. Bon, je vais te laisser récupérer un petit peu tes esprits, le temps d'écouter l'histoire de Lily. Lily, toi, tu as quel âge aujourd'hui ? Je peux te tutoyer ? Merci. Tu te souviens du moment où tu as expliqué à tes parents ou dit à ton père ou à ta maman que tu ressentais, qui tu avais l'impression d'être ? Oui. C'était quand ? Tu t'en souviens ? C'était... Il y a quelques mois, je crois. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui. Est-ce que tu te souviens comment tu lui as dit ? Comment tu leur as dit à ton papa et à ta maman ? Non ? Vous, Christelle, vous en souvenez. Je me rappelle bien. C'était à quel moment ? Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que Lily oublie. Alors, je sais pas si c'est possible d'oublier volontairement, mais comme si elle voulait vraiment se débarrasser de cette période d'avant. Alors nous, enfin, c'est pas trop comment agir, parce qu'on ne peut pas effacer cette période-là de notre vie. Et le moment de la révélation, c'est une période... qui a été difficile pour elle, mais salvatrice pour nous tous. Donc, nous, effectivement, oui, c'est bien imprimé. C'est bien, c'est un film. Ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Quels sont les mots qu'elle a utilisés ? Elle nous a dit qu'elle voulait changer beaucoup de choses dans sa vie pour qu'elle soit tolérable, puisqu'on en arrivait à des idées suicidaires. Et je sais que, voilà, on partage ce sentiment, c'est très, très effrayant. À n'importe quel âge, je pense, quand on a nos enfants qui nous disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est
triste. Et donc, je lui ai demandé ce qu'on pouvait changer dans sa vie pour que ça devienne supportable. Et elle m'a dit qu'elle voulait changer... Tu te rappelles? Tu veux le dire? C'est moi qui dis. Elle voulait changer son prénom, ses cheveux et son pénis. Donc, quand elle a dit son pénis, moi, la transidentité, elle m'a sauté à la figure, quoi. Et je me suis dit, ah bon, c'est de ça qu'on parle, en fait, quoi. Donc, je lui ai dit que ça s'appelait la transidentité, le fait de ne pas se sentir bien dans son corps. Je l'ai questionnée pour savoir si c'était vraiment ça qu'elle ressentait. Et puis, à la fin de la discussion, je lui ai dit que j'allais apprendre sur ce sujet que je connaissais très, très peu ou de très loin et qu'on allait faire un bout de chemin tous ensemble dans un pays qu'on ne connaissait pas encore. C'est très joliment formulé. Florian, vous voulez rebondir ? Oui, je veux dire, l'oubli, c'est plutôt quand c'est une évidence et quand l'enfant apporte le problème et la solution à son niveau. Finalement, c'est moins traumatisant. Exactement. Parce que pour elle, voilà, on change et puis... Et puis c'est possible, tout est possible à cet âge-là. Après, c'est là que notre rôle de parent... C'est compliqué parce qu'en effet, elle formule évidemment moins que des enfants plus grands. Il faut faire la part des choses du passage un petit peu, de la crise éphémère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu étais une enfant très désirée. Peu importe ton genre, tu étais très désirée. On va regarder quelques images pour comprendre justement dans quelle jolie famille tu es arrivée. Christelle et Guillaume sont en couple depuis 4 ans et déjà parents d'une petite fille, Mélina, lorsqu'ils apprennent avec bonheur que la famille va de nouveau s'agrandir avec l'arrivée de jumeaux. À l'échographie, ils découvrent qu'il y a un petit garçon, mais l'autre bébé, lui, se cache. Alors persuadés d'attendre une fille et un garçon, c'est une immense surprise pour Christelle quand ce sont deux garçons qui voient le jour. Deux bébés, au caractère et à la sensibilité bien différents. Alors, ces deux bébés ont bien grandi. Il y a Lily, il y a la maman qui pleure et il y a Adam qui est là. Ça va, Adam? Ça te fait sourire de voir ces images, toi. Et donc, ton papa Guillaume et ta sœur Mélina. Voilà pour la présentation de toute la famille qui va pouvoir prendre la parole. Pourquoi vous êtes si émue en regardant ces images, Christelle? Parce que je suis une maman qui raide dingue de ses enfants. Et sans parler de transidentité sans caméra, quand je vois les photos de mes enfants, régulièrement, je pleure. Quand je les vois à leur spectacle de fin d'année, je suis une fontaine. Les autres parents ne comprennent pas. Comme beaucoup. Voilà, dès qu'il y en a un sur scène, c'est la merveille. Voilà. Vous aviez senti tout de suite que ces deux garçons étaient différents, en tout cas. Tout à fait. De quelle manière ils étaient différents? Alors, même s'ils étaient identiques en apparence dans leur genre, ils étaient trop choux. Ils sont toujours trop choux. Et effectivement, Adam, c'est une personne qui expérimente beaucoup, qui a besoin de toucher, d'essayer x fois pour voir si la porte du placard va toujours faire le même mouvement, par exemple. Alors que Lily est plus dans l'observation. Et par exemple, à 7-8 mois, quand ils sont sur leur tapis d'éveil, Adam, d'ailleurs, je crois, n'est jamais resté sur son tapis d'éveil. Il rampait. Voilà, il explorait. Et Lily, on m'a même une fois fait la remarque à la crèche en me disant « Ouh, c'est un bébé tellement calme qu'on pourrait l'oublier. » Je me dis pas ça, c'est inquiétant quand même, venant de vous. Mais en fait, je comprenais ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'on ne l'oublie pas, mais c'est un bébé calme qui regardait les choses et qui regardait de façon très... Concentrée et précise. On avait l'impression que son regard détaillait comme un scanner tout ce qui se passait, même les mouvements de mes lèvres quand je parlais, je voyais ses yeux qui balayaient mon visage très précisément. Donc les choses ont évolué, vous êtes toujours un petit peu interrogée sur cette différence sans pour autant vous inquiéter. Et puis il y a un an à peu près, Lily a commencé à manifester des angoisses. De quelle manière elle les exprimait? Alors d'abord c'est venu par des troubles de l'endormissement, puis des troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'elle arrivait avec ce qu'on mettait en place à s'endormir. Puis finalement dans la nuit elle se réveillait et elle ne se rendormait pas. Ou très tard, donc elle dort. C'est une enfant qui a besoin de moins de sommeil que la moyenne des enfants, mais là quand même on passait des nuits avec à peine 3-4 heures de sommeil. Ouais, c'est pas possible. Même pour un adulte, c'est pas tenable. Donc ensuite il y avait des colères, tout ça, donc on a mis ça d'abord sur le compte du manque de sommeil, bien sûr. Et puis quand on a réussi, grâce à une psychologue, à régler un petit peu ce problème-là, les crises dans la journée, les crises de larmes, de mélancolie, de stress, de colère aussi. Gros caractère, on va dire. Voilà, on trouvait toujours une excuse. C'est une année où on a changé les enfants d'école. Donc on s'est dit, c'est une plus grande école. On a eu des deuils dans l'été qui a précédé. On a toujours trouvé plein d'excuses à son mal-être. Enfin, on a essayé de trouver des causes, en fait. Oui.
Et puis, donc... Jusqu'au jour de cette révélation. Voilà. Jusqu'au jour où ça empirait. Ouais. Toutes les théories qu'on pouvait échafauder, les balayer d'un revers de la main. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est dit, elle ne s'habitue pas à l'école ou elle est fatiguée à cause de l'école. Donc, comme les vacances de Toussaint arrivent, c'est parfait, ça ira mieux après. Non, la rentrée, c'était pire. Donc, voilà, c'était compliqué à trouver. Et puis, aux vacances de février... un soir, du tout début des vacances de février, c'est le soir où elle a dit clairement que... Vous avez dit ça. Qu'est-ce qui fait que vous, parents, à un moment, vous avez le choix? Vous lui dites soit j'entends ce que dit ma toute petite fille de 8 ans, je lui donne tout le crédit de l'amour que je peux lui porter et je l'accompagne dans ce qu'elle nous demande. Soit en même temps, qu'est-ce qui fait qu'en même temps, j'abonde pas dans quelque chose de passager, je vais pas aussi la faire partir dans une direction qui ne sera peut-être pas pérenne? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de... C'est un pari, en fait? Je comprends ces questions, mais je pense qu'on se rejoint, c'est une intime conviction, en fait. D'accord. C'est ce qu'elle a dit ce soir-là, c'est venu se poser comme une réponse à toutes les questions qu'on s'est posées, pas que mon mari et moi, à notre entourage. Tout d'un coup, tac, tac, son entourage scolaire. Tout ça a été, ouais. Voilà, exactement. Tous les signaux qui étaient apparus, tout se mettait en place. Complètement incohérent, d'un coup, ça avait du sens. Oui, je comprends. Et effectivement, on s'est dit, ah ben oui, c'est ça. Ouais. Ok, c'est bien ça. Comment on fait la différence, justement, entre... Parce qu'au-delà de l'histoire de Lily, on est parents, on voit une petite fille, un petit garçon qui est mal... qui le formule un jour comme ça, faut-il tout de suite lui donner tout le crédit? Faut-il attendre? Alors, il faut donner du crédit assez rapidement, mais pas forcément se précipiter. L'idée, c'est d'observer, avec l'aide de professionnels, c'est la constance, l'insistance de la plainte, et puis le corollaire, c'est la souffrance de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, ce sont des enfants qui sont en proie à d'énormes angoisses, à de la dépression, à des signes, notamment les troubles du sommeil, c'est quelque chose qui alerte beaucoup chez de l'alimentation aussi, elle mangeait plus. Et les parents ont tendance à rationaliser, enfin, la nature humaine rationalise, essaye de comprendre des explications. Mm. Et en fait, une fois qu'on les a balayés, effectivement, réussir à se décaler, à voir autre chose et comprendre que le problème est ailleurs. Comment réagit votre famille? Comment a réagi votre famille après cette annonce? C'est vous qui leur avez dit? Oui, alors certaines personnes, c'est toi qui as annoncé à papy et mamie, je crois. Oh là, comment t'as annoncé ça, papy, mamie? Tu leur as dit quoi? C'était plus facile puisqu'il y avait la distanciation par rapport au confinement. Ah, c'était en visio. Ah, c'est pas mal, pratique. C'est toi qui as choisi ton prénom? Oui. Pourquoi t'as choisi Lily? Je sais pas du tout. Parce que tu trouvais ça trop mignon. Ah ouais, trop mignon, un prénom trop mignon pour une petite fille trop mignonne. Hein, c'est ça. Comment on agit? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vécu les choses différemment, Guillaume, Christelle, du fait que le pape et vos gens respectifs ont-ils un peu joué dans votre façon d'accepter les choses? Vous, c'était votre petit garçon, pardon, qui est finalement une petite fille. Je fais attention à tout le mot que je dis. Mais est-ce que du coup, vous avez une façon de digérer la nouvelle différente, tous les deux? Non, ça a été tellement évident quand elle nous l'a dit que c'était normal que... Pour nous, ça ne nous a pas paru bizarre. On a tellement cherché de causes que quand elle nous l'a révélé et qu'après, quand on a vu qu'elle s'épanouissait comme ça... Oui. Et c'est ça, en fait. La réponse, c'est le sourire de l'enfant. Hein. C'est ça. Il ne faut pas chercher. Et Adam, toi, comment tu l'as vécu? Ton frère qui est devenu ce qu'elle était, c'est-à-dire ta sœur. Je l'ai vécu en gros choc, moi. C'est... Parce que de garçon à fille, vraiment, c'est un choc. Mais ça a été un choc, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est accepté dans ta tête? Ben oui, c'est normal, mais non. On oublie l'autre nom. Puis tu te retrouvais un peu le seul garçon des enfants aussi? Oui. Ah, mais ça, c'est cool, non? Oui. Ouais, ça, c'est cool, j'ai compris dans ton regard que ça, c'est pas ce qui te posait un problème. Comment? On a sa chambre à soi, mais non. Ah! Du coup, elle est repartie dans la chambre. Elle est venue avec toi, Mélina? Donc, quelque part, c'était un mal pour un bien, quoi. Oui. T'as récupéré ta chambre. Et toi, Mélina, comment tu as vécu les choses? On en sourit, mais je sais qu'il y a d'autres difficultés dont on va parler. Mais Mélina? Je l'ai bien vécu, vu que quand j'étais petite, je m'ennuyais un peu. Et je voulais avoir une petite sœur et j'ai eu deux petits frères. Donc, du coup, maintenant, je suis contente, vu que j'ai un petit frère et une petite sœur. Parfait. Vous avez fait le choix de médiatiser l'histoire de Lily. On a pu vous le reprocher. C'est important que je vous pose la question, non? Oui. On a pu s'interroger, voilà, en tout cas. On a pu s'interroger. J'ai jamais rencontré de gens assez courageux pour me dire des choses méchantes en face. Pourquoi avoir décidé justement de porter votre histoire sur le devant de la scène?
Alors, dans un premier temps, parce que le matin de la rentrée scolaire de septembre, ça s'est très très mal passé. On m'a fait part d'une expérience très cruelle qui a été faite avec Lily dans sa classe. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'on lui a fait à votre fille ? Si vous voulez le dire. Hein, oui. La psychologue scolaire est venue évaluer son degré de souffrance quand on l'appelait par son dead name. C'est-à-dire que l'éducation nationale n'a pas accepté que notre enfant soit trans. Ils ont remis en doute nos compétences parentales, ce qu'on a pu comprendre dans un premier temps au mois de juin quand on les a prévenus. Donc on leur a donné toutes les cartes pour qu'ils puissent vérifier qui on était et dans quelle mesure ils pouvaient porter une attention et une crédibilité à nos propos. Et apparemment, ils ne se sont pas saisis de tout ça. Et en désespoir de cause, l'inspecteur d'académie a demandé à la rentrée que la psychologue scolaire évalue le degré de souffrance de Lily quand on l'a genrée au masculin et qu'on l'appelait par son ancien prénom. D'accord. Et ça a été proposé 3 jours avant la rentrée. Donc nous, on a dit non, la maîtresse a dit non. Et comme la maîtresse a dit non, on l'a mise à l'école en toute confiance. Sauf que le midi du jour de la rentrée, on a bien vu qu'il y avait la psychologue scolaire. Donc je me suis avancée, j'ai posé des questions. Ils m'ont dit qu'effectivement, elle souffrait pas mal quand on la regardait. Au-delà de cette histoire, pourquoi avoir décidé de médiatiser ? Sur le coup, ça a été vraiment la colère de dire « je veux pas qu'elle continue ». J'avais le choix entre les faire plier, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'appeler Lily et de la considérer comme une fille, ou de la retirer de l'école. Moi, je pouvais pas la laisser dans une souffrance telle tous les jours. Bien sûr. Donc, en désespoir de cause, quelque part, on a fait appel aux médias locaux, à Vaucluse Matin, qui est gentiment venu à la maison, et à la radio locale aussi, France Bleu. Et en fait, France Bleu, Vaucluse Matin, a fait sa une avec l'histoire de Lily et sur le fait qu'à l'école, on ne voulait pas la considérer comme une fille. Et vous aviez un petit côté aussi, on le dit une bonne fois pour toutes, quelque part. Exactement. On officialise la décision d'abonder vers le bien-être de notre enfant. Soutien de notre enfant. C'est ça, ça c'est important. Voilà. Et vous continuez à le faire aujourd'hui parce que, pour quelle raison c'est si important ? Tu veux dire ? Tu veux que je dise moi ? T'es fatiguée ? Non mais elle est en digestion, Lily. Elle est en mode sieste. Là. Elle est en mode sieste. Je la vois bâiller discrètement. Elle est à la cool. Lily est assez... une enfant très empathique. C'était une autre de ses grandes différences par rapport aux enfants de son âge dès la très petite section de maternelle. Et elle a très vite compris, avant même de nous révéler sa transidentité, qu'il y a des enfants qui étaient... Alors, ce qu'elle nous a dit, je ne sais pas où elle a entendu ça. Des enfants qui étaient abandonnés par leurs parents parce qu'ils ne répondaient pas aux attentes de leurs parents. Donc, je ne sais pas si elle a vu ça dans un film, dans un reportage, si elle m'a entendu parler de mon travail parfois. C'est à la télé ? Et du coup, elle a à cœur de faire en sorte que chaque enfant puisse dire les choses chez lui et que ça se passe bien. Donc, par son expérience, elle veut aider... Dire aux parents que ce n'est pas grave et aux enfants qui peuvent se confier à leurs parents. C'est ça ? Pourquoi ça bloque l'état civil pour qu'elle puisse avoir ce prénom de Lily sur sa pièce d'identité ? Je ne sais pas si l'état civil de Carpentras veut bien nous expliquer plus. Ce qui a été sur le courrier qu'on nous a envoyé, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est trop frais dans le temps. Comme c'est une révélation qui date de février, on a beau leur expliquer que le temps pour les enfants, il ne se déroule pas de la même façon et que pour elles, ça fait une éternité depuis le mois de février, que son mal-être, il est bien antérieur au mois de février, que ce n'est pas une enfant qui fait un caprice et qui dit un jour oui et un jour non. Et puis je pense que leur jeune âge... Oui, et puis ce n'est pas de cet ordre-là. Je pense que c'est vraiment pour l'officier d'état civil une sorte de volonté de ne pas prendre la responsabilité. Je pense qu'il y a de ça. Il considère que, compte tenu de la situation de Lily, peut-être ce n'est pas à lui de prendre cette responsabilité. Il a transmis ça au procureur avec qui on est en contact pour faire en sorte que les choses, en tout cas, aboutissent d'une manière ou d'une autre. Soit le procureur l'accepte et il n'y aura pas de difficulté, ce que je pense très honnêtement, c'est ce qui va se passer. Soit, pour une raison ou pour une autre, et je le dis devant Lily, s'il le refuse, on a toutes les billes, Lily, pour obtenir du juge aux affaires familiales que la décision soit rendue et que tu t'appelles Lily une bonne fois pour toutes. Quand on voit, en fait, à la fois l'affirmation de ces enfants et quand on se pose la question de savoir finalement pourquoi les parents réagissent et adhèrent, parce que c'est à la hauteur de la souffrance de leurs enfants. Comment faire quand on est parent pour rester neutre face à une souffrance extrême d'un enfant. Après, que ce soit lui qui vous donne la clé ou que vous la trouviez, peu importe, l'important, c'est qu'il ne souffre plus. Et quand on voit à quel point, pour Adriano, pour Lily ou comme pour Lee,
les choses vont tellement mieux depuis que c'est dit, ça devient une évidence pour tout le monde. Comment faire la différence, encore une fois, au-delà de l'histoire? Est-ce qu'il faut laisser passer un petit peu de temps? Est-ce que quand on voit qu'en effet, la petite se met à re-bien dormir, re-bien manger, s'épanouit, c'est déjà une réponse en soi? C'est déjà une réponse. Alors, c'est vrai que là, on est dans une situation un peu caricaturale, dans le sens où c'est très clair pour la personne, ça devient une évidence pour les parents et ça soulage tout de suite. Il y a quand même des situations qui sont un peu plus délicates, des environnements un peu plus délétères, où il peut y avoir aussi une fluidité de l'identité, où l'enfant a du mal à se positionner, essaye de prendre comme image le père, des fois la mère, c'est parfois plus délicat. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on se dit, quand c'est une évidence, il faut aller le plus vite possible et surtout à la hauteur de ce que représente le temps pour un enfant. L'enjeu, c'était vraiment la rentrée scolaire. Ouais. Et ce qui est arrivé le jour de la rentrée scolaire, on ne devrait plus le voir. C'est des thérapies historiques, caduques, c'est-à-dire de tester la reconversion. Et ce n'est pas le lieu pour le faire, en plus. Oui. On est vraiment dans toutes les stratégies plutôt d'affirmation. Maintenant, c'est écrit dans toute la littérature scientifique. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez ensemble d'une transition même médicale? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a un âge légal où on peut commencer à faire les choses ou pas? Alors, on se renseigne, parce que c'est une des choses qui nous fait le plus peur. Je parle pour nous deux, tu me dis si... c'est très effrayant pour des parents d'envisager que son enfant... Alors d'abord pour nous, quand elle a compris que le pénis, on ne pouvait pas le changer comme ça, en quelques mois ou en quelques semaines... Elle a parlé d'automutilation, pas avec ces mots-là, mais elle a dit « si personne ne me l'enlève, ben moi je me l'enlève ». Ok ? Donc il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui lui parle avec des mots gentils. « Je te remercie, je ne sais pas si tu m'écoutes, je sais que tu sais de quoi je parle de toi. Merci d'être venue à la maison ce soir-là et d'avoir, avec des mots simples, expliqué à Lily que si un jour elle voulait un changement de sexe, il fallait absolument qu'elle prenne soin du sexe qui était le sien à l'heure actuelle, même si elle ne pouvait plus le voir ». Mais que c'est la seule condition qui ferait qu'un jour elle pourrait avoir un sexe de femme, si c'était toujours son choix à 18 ans, c'était de ne pas être mutilée, quoi. C'était pas possible. Avec un sexe mutilé, on ne pouvait pas avoir un sexe de l'autre genre. C'est compliqué pour un enfant de se dire qu'elle a 8 ans, Lily, il va falloir attendre 10 ans. Ça a été tellement bien dit avec des mots d'enfant. Qu'elle a compris. En quelques minutes, je l'ai vu le lendemain soir, elle ne parlait plus jamais de ça, quoi. Alors, il n'est pas question de chirurgie haute, mais ce qu'on fait par contre, de plus en plus, ce qui est fait, c'est de bloquer la puberté pour éviter d'avoir à subir un petit peu la puberté qui est en inadéquation avec son corps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être dévastateur pour Adriano. Que ça, c'est quelque chose qui permet aussi de stabiliser un petit peu les choses et d'avoir un peu de maturité, même si on voit que les témoins aujourd'hui ont une maturité assez importante et qu'ils ont grandi à vitesse grand V par la force des choses. Ça donne un petit peu de temps et le blocage de la puberté, c'est quand même quelque chose qui soulage beaucoup. On a découvert ça, oui, ça nous faisait très peur, puisque bloqueur de puberté, nous, ça nous faisait penser à un arrêt de sa croissance. Donc on nous a bien expliqué qu'en fait, c'est l'inverse, que c'est la puberté justement qui arrête la croissance. Bien sûr. Et voilà. Et donc si on peut lui éviter d'arriver à la souffrance d'Adriano, de voir son corps se transformer de la pire des façons pour elle, on mettra tout en place, mais effectivement, on essaye de se rassurer. Il y a eu un deuil à faire ? On parle de ce mot, hein. On a commencé par parler de ça. 24 heures. 24 heures. En 24 heures, j'ai eu ce sentiment, je me suis tout à fait reconnue dans ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on a l'impression de perdre, pour moi, un bébé. Parce que, pardon chérie, je te voyais un petit peu comme un bébé. Et de perdre un de mes deux bébés qu'on a vu là. Et de voir une nouvelle personne. Mais en 24 heures, c'est elle, avec ses mots, avec ses câlins, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, je perdais rien. J'avais tout à gagner. C'est juste... J'ai réussi à éliminer cette pensée en prenant conscience qu'en fait, il n'y avait pas de deuil parce que c'est mon regard qui était mal positionné. Que depuis toujours, c'était une petite fille. C'est juste qu'on l'avait mal regardée. Donc quand on a expliqué ça, on s'est mutuellement expliqué ça. Et quand on l'a expliqué à Adam, ça a beaucoup aidé Adam aussi. On lui a bien répété que la personne qui l'aimait et qui l'appelait jusque-là son frère, c'était toujours la même personne. D'ailleurs, il a très bien vu que les traits de mauvais caractère, tout ça, ça ressort très vite. Hein. Ça change pas, ça. Et puis Adam, après, on lui a dit qu'il avait sa chambre à lui et quelque part, c'est passé beaucoup mieux. Il a demandé un bureau en plus. Hein, c'était le moment de demander, donc il a profité. Je n'ai pas su, vous avez formulé une belle phrase, vous avez dit, je n'ai pas su bien la regarder. C'est pas elle qui était, c'est nous qui n'avons pas su bien la regarder. Exactement. C'est une remise en question des parents que je trouve très jolie dans la façon formulée. Vous vous êtes dit ça, vous aussi, un peu, à un moment, Géraldine, que vous n'aviez pas bien regardé votre enfant? Je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai surtout pas entendu. Parce vous ne l'avez pas dit, entendu. Il me l'a dit depuis qu'il est tout petit. J'admire la maman de Lily et son papa parce que
ils ont entendu leur enfant, ils l'ont entendu beaucoup plus tôt. Moi, j'ai laissé un peu lit en carafe pendant quelques années. Mais parce que vous n'étiez pas prête, regardez. Émilie a eu une intuition qu'elle n'a pas su écouter ou qu'elle ne voulait pas écouter. Il fallait qu'elle soit prête, il fallait que vous soyez prête aussi. Tout à fait. Puis bon, la transidentité, on n'entend pas ça à chaque coin de rue, quoi. Enfin bon, j'ai 55 ans, je veux dire, je sais pas, la transidentité, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je connaissais, mais que je sentais pas que ça pouvait me toucher un jour ouais, ou que voilà. Ça viendrait à la maison ou... Voilà, je ne sais pas. C'est, Et c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour que ça devienne de plus en plus familier, même si on ne pousse pas la tête de tout le monde de dire que c'est forcément ça. Mais c'est une clé et il faut savoir... C'est un encouragement à consulter, à poser des questions, voilà, à se renseigner. Voilà, c'est un encouragement à consulter. Merci, Florian. Je pense qu'il faut voir ça comme une visibilité qu'on va donner à ses enfants, mais pas créer... Il y a des gens qui entendent ça comme si on voulait créer un phénomène de mode. Et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que... Il n'y a pas de mode à ça. Je veux dire, il n'y a pas de mode à souffrir autant déjà. Parce qu'on souffre beaucoup. C'est un parcours... on est heureux pour certains maintenant. Enfin, on va l'être, je l'espère. Mais il y a de la souffrance derrière. Il faut qu'il y a des hauts, donc, des bas... Les phénomènes de mode... Mais là, on présente les choses. Ouais. Mais évidemment, ça s'étale sur des années. Lee, je crois que c'était important pour toi d'être là aujourd'hui. Oui. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse connaissance avec votre famille à travers ces images. Lee, née en 2006, et son arrivée est une véritable joie pour toute la famille. Jusqu'à ses 3 ans, ses parents s'en occupent sur le même modèle que ses 2 sœurs aînées. Mais un an plus tard, lorsqu'il apprend à parler, il leur exprime le fait qu'il ne se sent pas fille et qu'il n'est peut-être pas né dans le bon corps. En grandissant, il commence à refuser les vêtements féminins, sans que ses parents ne parviennent totalement à l'écouter. À l'école, la différence de Lee n'est pas vraiment acceptée par ses camarades. Le jeune enfant commence alors à développer des tocs et à se camoufler sous des vêtements amples. Très mal dans sa peau, il ne parvient plus à prendre soin de lui et son entrée au collège accentue son mal-être. C'est le souvenir de la souffrance qui t'émeut ? Oui, si. Pourquoi c'est si important pour toi d'être là aujourd'hui, Lee ? Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de visibilité pour les personnes transgenres. Et je le sais parce que moi, je m'affiche beaucoup sur les réseaux, sur Instagram. Et il y a beaucoup de personnes transgenres qui me suivent et ils me disent souvent que je leur donne confiance en eux ou des choses comme ça. Et moi, ça me fait tellement plaisir de pouvoir réussir à aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et je voulais être ici aujourd'hui parce que c'était une opportunité d'aider, de raconter mon histoire et d'aider. D'aider. Et ouais. Je crois que c'est le moteur de tous ceux qui sont réunis aujourd'hui. Hein. Ouais. Tu te souviens de quelle manière tu l'as formulé un jour à tes parents et à quel âge ? J'ai commencé vers 4 ans. 4 ans ? Ouais. Qu'est-ce que tu disais à 4 ans à tes parents ? À 4 ans, je disais à ma mère, quand elle me présentait à ses amis, par exemple, et qu'elle disait, voilà, c'est ma fille, je disais, non, je suis un garçon. Et souvent, quand j'étais à l'école, en primaire, ils nous emmenaient au stade, et les garçons qui jouaient au foot, ils se mettaient torse nu. Et moi, je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de me mettre torse nu. Je comprenais pas pourquoi tous ces garçons qui jouent au foot, ils pouvaient enlever leur t-shirt et moi, je pouvais pas et que je devais mettre une brassière comme tout le monde. Et ça a commencé vers 4 ans, quoi. Tu as subi du harcèlement, c'est aussi pour ça que tu es venue nous en parler. Oui. Ça a commencé à quel âge, ce harcèlement scolaire, dis-moi ? Ça a commencé... en primaire, on pouvait pas parler vraiment de harcèlement. J'étais mise de côté, quoi. Parce que les filles voulaient pas rester avec moi parce que j'étais pas comme elles et les garçons voulaient pas rester avec moi parce que j'étais pas comme eux non plus. Et après, c'est au collège que vraiment le harcèlement a commencé. Quand je suis rentrée en 6e, on me disait que on m'insultait de clocharde, que je m'habillais comme un pouilleux et que j'étais sale. Ça s'enchaînait comme ça au collège. La puberté aussi, ça a été difficile pour toi, Lee ? Oui, ça a commencé... J'ai eu mes règles en cinquième, quand je suis rentrée en cinquième. C'est aussi quand je suis rentrée en cinquième que j'ai avoué à mes parents mon homosexualité. Et
j'avais déjà des insultes au collège, forcément, parce que je voulais pas me cacher. Je disais que j'étais homosexuelle et je me faisais insulter de sale lesbienne et que je devais aller me pendre et que on me mettait la tête dans les toilettes, on me tapait et... voilà. Dis donc, c'est un battant que j'ai devant moi. Pouf. T'as vécu des choses difficiles. T'as eu des idées sombres aussi, comme Adriano? Beaucoup. Je me mutilais. Et j'ai fait 3 tentatives de suicide, dont 2 où mes parents n'étaient pas au courant. Je l'ai dit à personne. Et une où je suis allée à l'hôpital. C'est toi qui as demandé d'aller à l'hôpital? Oui. J'ai demandé d'aller en hôpital psychiatrique parce que je pouvais plus. Je me disais que si j'y allais pas, j'allais me tuer. Et c'était le seul moyen de... Enfin, je voulais pas mourir, je voulais continuer à vivre comme tout le monde. Et c'était le seul moyen, en allant à cet hôpital, de me sortir de là. T'as trouvé de l'apaisement dans cet hôpital, Lee? Non. J'ai rencontré des gens, donc ça c'était sympa, mais ils nous faisaient faire des activités comme de la piscine où je devais me mettre en maillot de bain, et ça m'a remis dans un mal-être. En fait, ça a ajouté un problème au problème, et ils me comprenaient pas quand j'allais parler à des psys. Ils me comprenaient pas dans cet hôpital. Personne ne te parlait, les psys que tu voyais, personne ne t'a parlé de transidentité? Non. Je mesure à quel point, encore une fois, faire des émissions comme la nôtre, c'est important. Qui t'a délivré, finalement? C'était en regardant un reportage que ma maman, elle m'a montré, où il y avait des personnes transgenres dans un autre pays, je ne sais pas quel pays c'était, mais il y avait des personnes transgenres qui avaient commencé leur transition, et je ne savais pas ce que c'était, moi, que la transidentité, avant d'avoir vu cette émission. Et je les voyais sur la télé, bien dans leur peau. Ils étaient sous testostérone. Ils allaient se faire opérer. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris directement que c'était moi, en fait. Et je me retrouvais à travers ces enfants. Et c'est que quelques jours plus tard que je suis allée voir ma mère et que je lui ai dit, bah voilà, c'est les enfants dans cette émission, c'est moi, je suis comme eux. Et voilà. Est-ce que le fait d'avoir compris... T'as l'impression que d'un coup, l'interrupteur s'est allumé. T'es passé de la nuit à la lumière. D'un coup, le fait de savoir qui tu étais. Oui. D'un coup. Oui. Et alors vous, Géraldine, comment vous l'avez vécu en parallèle? Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai pas su l'écouter, j'ai pas su entendre mon fils. Vous aviez ce soupçon ou vous n'avez pas voulu Non, je n'avais pas ce soupçon. Depuis qu'il est tout petit, j'ai pensé plutôt à... Je voyais garçon manqué. Je me suis dit, pourquoi pas homosexualité? J'ai pensé homosexualité. Donc, on avait évoqué le fait que l'amour, ça existait entre plusieurs personnes, des personnes du même genre, du même... Pour le mettre à l'aise, si un jour il avait quelque chose à me dire, c'est, je pense que ce qui l'a aidé, d'ailleurs, puisque quand il a perçu son homosexualité, il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il était homosexuel. Donc, ça ne me posait aucun problème. Ça, c'était bien accueilli à la maison. Et puis, j'ai senti qu'encore après, il y avait quelque chose aussi. Tout n'était pas débloqué. Et du coup, j'ai regardé des émissions, j'ai regardé des reportages et j'ai eu la chance de tomber sur un reportage sur des enfants transgenres. C'était dans un pays du Nord. Et du coup, j'ai dit, là, oui, c'est Lee. C'est bien Lee, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça. C'était la révélation, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui montrer ce reportage. Alors, sans forcément, bien sûr... Induire les choses. Non, tout à fait. Juste... Non, je lui ai laissé visionner le reportage. Voilà. C'est malin, ça. Ouais. Le psy qui est avec nous, Florian, je dis le psy, mais parce que je dis l'entité psy qui est avec nous, va vous dire que c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée. Et c'est vrai que les pays du Nord, de l'Europe, sont en avance et sont très aguerris à cette problématique. Et ils ont des supports pédagogiques très pertinents. Les Hollandais, notamment, sont très en avance. Oui, ils évitent peut-être à des enfants de la souffrance. Parce qu'ils vont un petit peu plus vite, alors trop vite aux yeux de certains. Mais qu'est-ce que ça veut dire trop vite quand un enfant est en souffrance, quoi? Quand on se place du côté maman, je pense qu'on ne dira pas que c'est trop vite, nous. Parce que la souffrance, on la vit réellement, quoi. Et voilà, c'est jamais trop vite. Moi, j'ai eu peur d'y laisser mon enfant. Ouais. J'ai eu peur de le perdre.
m'échapper. En comparaison avec, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, qu'est-ce qu'on risque? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, en fait, j'avais tout à gagner. Oui. Bah, bien sûr. D'avoir un enfant bien dans sa peau. Le choix du prénom s'est posé aussi pour vous? Pour toi, Lily? Non. Lily, pardon. Ah bah, tous les Lily. Il y a beaucoup. Ben, je suis née avec ce prénom. Je m'appelais Lily quand je suis née. Et vu que c'est un prénom mixte, j'ai décidé de le garder parce que je l'adore. Et... non, je me suis jamais posé la question est-ce que je vais changer de prénom, ou ça m'est jamais venu à l'esprit. Je vais vraiment garder ce prénom. Est-ce que tu en es où de ta transition aujourd'hui, Lily? Ben, pour l'instant, ça fait 2 mois que je suis sous bloqueur de puberté. Ouais. Ça se passe super bien, à part que j'ai des bouffées de chaleur quelquefois. Mmh. Mais sinon, ça se passe bien. Et en mars... C'est des réglages à caler, ouais. Ouais. En mars... Je passe en commission pour sûrement avoir la testostérone. Donc tu es heureux, ouais, c'est ça, je le vois. Tu es super heureux. Parce qu'il y a le blocage d'un côté, et puis après, on fait certains choix en comité de transition vers l'autre sexe, en fait, l'autre genre. Donc c'est pour ça que. Oui, il faut d'abord stopper. Ce sont des étapes un petit peu différentes. Toi aussi, tu as pu compter sur le soutien d'une famille formidable? Oui. Ouais. Au début, je parle de mon père parce que je sais qu'il va regarder l'émission, et au début, il l'a pas très bien pris. Enfin, le fait que j'étais transgenre, il a pas bien réagi. Mais j'ai décidé de couper les ponts à un moment avec lui, et en fait, ça marchait, quoi, parce que ça l'a réveillé. Oui, voilà. Et maintenant, il me genre comme il faut. Et j'avais arrêté d'aller chez lui, et maintenant, bah, je retourne chez lui tous les week-ends, donc ça va super. Il sait que tu es là, ton papa? Oui. Il aurait voulu venir, tu crois? Je sais pas. En tout cas, à sa manière, je crois qu'il a eu envie d'être présent. Oui. Coucou mon lapin, et voilà, un petit message simplement pour dire que, malgré le fait que je sois encore maladroit avec le « il » et le « elle », j'accepte ta transition et je la comprends, quoi. Et ce que je voulais te rajouter aussi, te dire, c'est que je t'aime très fort et je t'aimerai toujours. Et voilà. Et je te fais des gros bisous, mon fils. Coucou Lily, un petit message de la part de nous trois pour te tenir. On sait que c'est pas évident, mais tu sais qu'on sera toujours là pour toi. On te fait des gros gros bisous. Tiens le coup, t'es le meilleur. Bisous. Coucou mon frère, juste un message de la part de Lucia et moi pour te rappeler à quel point on tient à toi et qu'on t'aime. Voilà, que tu sois confiant et que tu sois fier de toi surtout, parce que nous, on est ta famille. C'est la famille. C'est la famille, et on sera toujours là pour toi. Gros bisous. À travers vos larmes, on mesure vraiment le chemin parcouru, cette force qu'il vous a fallu pour surmonter tout. Et je mesure à travers chacun de vos sourires resplendissants, parce que sur ce plateau, parfois, on sourit un peu timidement. Mais alors, vous respirez avec fierté de qui vous êtes. Vous respirez avec tellement de panache de ce combat gagné. Et je suis très admirative de vous trois, mesdames et messieurs, évidemment. Voilà, d'avoir su mettre de côté tout ce qu'était votre enfant, pour vous remettre en question, avancer, réfléchir et n'avoir qu'un objectif, leur bonheur, à tout prix. C'est ça. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est un très, très beau message qu'on envoie vraiment à tous ceux qui nous regardent. Si je te donne le mot de la fin, ou t'as trop de pression, Lily? À ceux qui nous regardent, tu voudrais leur dire quoi? Ils sont dans la souffrance que tu as connue. De ne pas s'inquiéter, qu'un jour, ils seront heureux aussi. Et que même si des fois, il y a des difficultés, qu'il y a des gens qui les insultent, qui les critiquent, qu'ils les écoutent pas, enfin, on s'en fout, on est là, on existe, et on est comme tout le monde, et on est tous beaux à notre manière, et voilà. Bon, ben moi, j'ai les poils au garde à vue. Vous me donnez des frissons. Le dialogue et l'amour, c'est vraiment l'essentiel. Merci d'avoir partagé ces belles valeurs et de l'avoir illustré sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. On vous a perdu, Emily, vous aussi. Merci à tous. Merci Florian. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur France.tv. Il est absolument urgent de se la passer sur les réseaux sociaux, de communiquer autour, c'est important. Je vous embrasse tous très fort. Passez un bon week-end sur France 2. À lundi.